C'est le roi Philippe Auguste, excédé par l'odeur nauséabonde des voies empruntées par les charrettes, qui ordonna que les rues de Paris soient pavées. Beaucoup de ces pierres ont pour origine les régions Sud-Yvelines et Eure-et-Loire. Sous Louis XII, on découvre l'importance des voies de communication pour le commerce entre les foires et marchés en augmentation. Pour financer le pavage des routes, les municipalités créent des taxes prélevées sur les produits d'octroi ou des taxes sur le commerce, blé, vin. En 1684, Louis XIV décide de capter les eaux de l'Eure pour alimenter les jardins de Versailles. La construction de l'aqueduc nécessitait une grande quantité de grès présent dans la région. Pour acheminer ces pierres vers Maintenon, la Drouette est aménagée pour la rendre navigable. Dans les carrières, travaillaient des soldats et un grand nombre d'ouvriers qu'il fallait loger dans les environs. Les conditions de travail étaient difficiles, la mortalité était grande et les accidents fréquents. L'aqueduc de Maintenon ne fut jamais achevé. Avant la Révolution, l'entretien des rues et routes reste un sujet de discorde, comme en témoignent les cahiers de doléances en 1789. Les corporations sont supprimées, mais l'ouvrier reste lié à son employeur. Ces années difficiles et le coût des guerres napoléoniennes provoquent chômage et misère. En 1848, sont créés des ateliers de charité pour donner du travail aux carriers. Jusqu'en 1750, Paris utilisait pour ses pavés des grès provenant de la région de Fontainebleau. La qualité supérieure des grès de la région des Yvelines permit l'approvisionnement de Paris. L'arrivée du chemin de fer déclenche un nouvel essor des carrières pour construire les ponts de la ligne, puis les rues. Le train permet l'acheminement des pierres vers la capitale, travaux Haussmann, mais aussi vers le monde entier pour les meules. Pour beaucoup de carriers, l'activité était un complément aux travaux agricoles saisonniers. Les horaires étaient irréguliers, les conditions de travail pénibles et les accidents nombreux. Les carriers étaient robustes, durs à la peine, exposés aux conditions climatiques. Ils respiraient les poussières de pierre et contractaient souvent de graves maladies pulmonaires, silicoses. De plus, l'alcoolisme était un véritable fléau. Chaque jour, des quantités d'alcool étaient distribuées sur les lieux de travail. L'or bleu des vallées de la Drouette et de la Gueule, recensé par Vauban, génère une activité industrielle jusqu'en 1970. L'arrivée de nouveaux matériaux, une mécanisation tardive, les évolutions technologiques, l'absence de reconversion ont eu raison des hommes bleus. Au début du XXe siècle, les carrières sont progressivement abandonnées.